fabrique rien, n'a rien, ne met rien dedans. Elle Autre. achète peut-être en Chine. Elle te le fabrique. Elle m'a dit souvent, non, même le Gluta. Je t'ai dit que ce que Gluta fait là, que c'est même contenu Alice, c'est présent, ça pas est pareil. Elle n'écrit rien. Je t'ai dit ça. Dit tous pareils, tous pareils. Donc, Moi, je quelqu'un parle qui de est toi qui paye. dans le district de Kuala depuis 25 ans, tu fais quoi acheter un bouquin de Bakata pour faire ta publicité? Mais c'est à cause d'aller dire que tu penses qu'elle trompe qui est pendant cette époque. Il ne faut pas un plus un pour comprendre que tu serais le patron de même chose. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je suis complètement d'accord. De toute façon, tant pis pour ceux qui vont Oui. acheter ça. Non, je dis seulement que quand elle vient maintenant décrire, montrer que c'est le faux, c'est si ça veut dire que c'est la mauvaise foi. Vous-même, ce que tu penses, c'est quoi? C'est la connerie. Vous toutes là. Vous, quand tu regardes, hein, c'est tous les mêmes fournisseurs. Les mêmes fournisseurs. Mais c'est en Chine, non? D'autres même se Non. limitent ici, même chez On eBay. m'a dit que c'est en France. Même Non, à chez eBay, tu vas dans le site de eBay, tu trouves pas mal de choses. Quand tu es commerçant, tu connais tous ces sites-là. Bon, Aïcha et C'est même chez l'autre eBay, tu sont trouves dans plein de trucs. les Non, laboratoires français. français, ils sont là, c'est les laboratoires français. Mais tu as dit que le degré d'ingérence, il y a un certain degré que la France se permet qui est le glutathion. Parce qu'ils jugent que ce n'est pas Il agressif faut pas, comme il faut l'autopinant. que tout soit équilibré, Tu ni vois, plus non? ni moins. Mais c'est l'ingérence, juste qu'à un taux réduit. On est le trompeur que éclaircissant. Ah, Dieu, ouais. Oh, ça ne décape pas, mais tous les tu les vois comment elles deviennent de plus en plus brunes. Ok, devenir brunes. Merde. Et tu sais, j'ai remarqué une chose. Ces gens-là qui utilisent leurs produits, là, qui disent que c'est ça qui les fait, ça c'est faux. Beaucoup d'entre eux la Maman, font. Nathanaël de Solange, c'est elle qui vend les céréales, Jessica, c'est elle qui vend, Tous qui ces vend tout. produits sont à l'ONA viande en AliExpress. Tous. Maman a carnet insolent. Tous. Tous ces produits, c'est mes directs, quoi. Elle vient prendre, tu vois, les éponges, là, les kouchas, là, qu'on vend souvent à 50 centimes dans les marchés. Oui, tout ça est dans Elle vient AliExpress. vendre Le truc ça de aux gens Gauthier, que ça c'est l'a été. Tout ça, ah, c'est je là-bas, les regarde, je mousses, machin. rigole. Les mousses, là, viennent de sortir dans AliExpress. C'est là qu'elle s'est procurée ça. Tu vas là-bas, tu vas les trouver. C'est là-dedans. Donc elle ne travaille même rien. Donc, ça veut dire qu'elle se fait. Elle, je crois même qu'elle se le. Peut-être de AliExpress, elle peut se les faire livrer là-bas en Turquie. C'est là pour. Une milliardaire qui vient prendre ça. Ben oui. Ils sont au pays, leur fournisseur, c'est la Chine. Ceux qui sont en France, c'est la France. Au Cameroun, il y a les vraies femmes qui fabriquent vraies Il y en leurs a, mais produits. elles ne sont pas très connues, malheureusement. Elles ne sont En pas France, connues. la Elles Chine aussi, fabriquent mais il y a leurs des produits. distributeurs. Il y Elles a certaines achètent tous qui les distribuent. composants. Elles fabriquent. Dans beauté, même elle m'a même fabriqué aussi. Dans la beauté, quand elle était au pays, elle fabriquait. Elle Elle fabriquait. fabriquait. Oui. Mais elle fabriquait Il le jansan, elle faisait le mélange, elle fabriquait quoi? y a une Je l'ai vue dans un direct Active Store, mais putain, elle n'est pas claire de peau, elle est noire. Non, Qui? elle est parce qu'elle a la lumière, elle a fait le jansan, maman, elle a Elle a changé. fait le Peut-être jansan, elle a elle a capté qu'elle la était lumière, non, vieille. elle est bien brune, Maman, c'est la lumière. Lolo était avec sa bouche Maman, là, on voyait rien que elle sa a la peau. bouche de Dieu. Maman, Elle a la chirurgie à la fait déjà, non? la chirurgie, non, mais les fesses, Elle elle a avait les fait. seins. La chirurgie à la déjà, non, les deux, maman. Ils ont dit que les Ivoiriens, ils étaient sa bouche, là, maman. On venait avec la Sa bouche du chameau et sa bouche bouche. était là comme pour le bonobo. Vous voyez comment je n'aime pas souvent certains commerçants. Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Voilà une ici, là. Elle envoie ses publicités dans toutes les pages de Congo, ça, là. Elle s'appelle, c'est Marilyn Hairstar. Vous voyez souvent ses posts dans certaines pages du Congo, ça, Marilyn n'a pas ton poste là, qu'elle va aller prendre les perruques chez elle, machin. Elle est au Canada et elle a fait ça au Cameroun. Voilà qui fait un poste par rapport à la maman de Francis Ngannou. Elle dit que, oh, faites un choix pour rajouter à la perruque camerounaise. Parmi ces perruques, nous allons offrir deux perruques à la maman de Francis. Non, Moi, c'est j'ai vraiment. vu le poste Maman là, est ça m'a partie à demander énervé, quelque ça chose. m'a C'est pioncé. un manque de. C'est toujours quelqu'un qui a pu. C'est toujours tu te fais voir, mais C'est c'est toujours toi, des c'est toi. malades. La maman de Francis lui a dit qu'elle a besoin d'un Tu veux bébé. Tu as dit la faire maman, une un maman truc pareil? naturelle qui fait Va en des fesses. inbox. Va au village. Attends là au Mais village quel pour que tu viennes inbox? t'offrir. Pourquoi tu as manqué de respect aux gens? La maman de Francis lui a demandé quelque chose. Elle la Offrez connaît deux même pas. perruques. Comme vous dites qu'elle n'a pas, elle a pas une bonne perruque. N'importe Laissez quoi. la maman, elle est naturelle. J'aime ton côté naturel. La maman
Quand on l'a vu là, c'est une très belle maman. Elle a pas besoin. J'ai son côté naturel. Elle est restée naturelle. Elle a fait ses, nattes là, renversées avec les passes mes soirs. Oh, une maman très joyeuse. N'importe quoi. La Camerounaise, elle ne fait pas elle veut faire sa publicité, elle utilise le nom. Oui, elle veut faire la publicité. C'est ce qu'une des influenceuses là-bas en Côte d'Ivoire a voulu faire avec la femme de l'ex-femme, pas l'ex-femme, la veuve de Bédié. Donc, quand Bédié, oui. Conan Bédié a perdu, est mort, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, elle poste que, comme on venait de faire le assis à la maison, elle a vu un peu le teint de la matière, elle poste que, dès que. Elle finit là, je vais lui envoyer les produits pour nettoyer sa peau. Merde! N'importe m'a quoi. Dit. Quel manque de respect. Elle a commencé à pleurer partout avec les autres et demande pardon. Parce que c'est chaud sur elle. Ça la rate. Hé, hey, maman, j'ai aussi une vidéo de Valérie à vous. Portez par rapport de machin. Tel métis rapide et clair. Nous allons la liste des gens que Marche a porté plainte. Mais ça, c'est. Elle dit que moi, je suis seulement. Je travaille pour Marche, je suis son porte-parole. Dans la liste, elle a cité Coco. La boîte noire. Elle est une boîte noire des boîtes du mensonge. Pardon, il ne faut pas l'appeler boîte. Elle a cité celle-là. Elle a cité Patricia, même à partir du choué dedans. Ok. Oh. Elle porte plainte. Oh. Elle a le temps. Elle a le temps là comme ça. Elle aussi. Elle, c'est quoi ça pour le bloc au camp? Il y a ma mère se baisse dedans. Ça fait quoi? Et Sébastien est bas là. Non, elle n'a pas porté plainte en France, elle va les porter pour le pays. Ça, c'est le pays. Ah, peut-être que les gens qui ne pensent pas les porter pour la France en France. N'importe. Non, là, c'est au Cameroun, je crois. Parce que quoi, ça, c'est pour les bloquer, mais ça, c'est de mauvaise foi. Pourquoi tu ne portes pas plainte sur le territoire où tout s'est passé? Peut-être la porter à ceux qui sont en France, parce que quoi, tout là. Maintenant, qu'est-ce que le Cameroun a eu voir, la rouge? Dis-moi, comment tu expliques ça? Tout a dit que, moi, là, si vous me portez. Portez plainte et vous perdez votre temps, il n'y a plus rien au Cameroun. Non, madame, dis-moi, elle porte plainte en France, oui. Elle aussi porte plainte au Cameroun, que le Cameroun, il y a quoi dedans? Je sais pas ça au Cameroun. Moi, je ne comprends pas l'idée là. Maman, je ne comprends pas non plus. Mais c'est pas possible. Puis, tu demandes comme ça? Mais toi, dis que moi, je n'ai plus honte. J'avais vendu ma honte. Ma honte à un chien. Et le chien qui avait acheté la honte là, c'est la cita. C'était monté de lui. Qui est Poitou? Vous allez m'excuser. Franchement, elle aussi, qu'elle arrête un peu. Qu'elle arrête. Pas Poitou. Non. C'est... Vous savez quoi? Votre maman là. Votre maman là, qu'elle arrête. Quoi, ça s'appelle comment? Ah, ok. Vas-y. Je vais dire votre maman là, la vôtre là, qu'elle arrête un peu aussi. Parfois, à un moment donné, il faut savoir s'éclipser, continuer sa vie tranquille. C'est ridicule. Je le dis. Qu'elle porte plainte en France, c'est son droit. Qu'elle porte plainte en France, quel objectif ici en France? Non, j'ai dit que ça apporte seulement. J'ai dit seulement, m'a dit. Parce que ça ne va pas aboutir à quelque chose. Le Cameroun a fait que non, je vais porter plainte. Alors que là, si c'est l'autre, elle doit lui porter plainte. Ah, dis donc. Elle a dit qu'elle a couché avec. Dans ce cas, alors, c'est une plainte justement qui doit être ici en France. Oui, mais celle-là a dit que si vous voulez me porter plainte, portez ici, parce que moi, je n'ai plus rien au Cameroun. Ouais, mais qu'elle porte ça ici, et là, peut-être... Sûrement, elle va le faire aussi parce que ce qu'elle a dit dans son direct, c'est pas ça. Non, mais bon, je ne comprends pas la plainte du Cameroun, la rose. C'est basé sur quoi le Cameroun? Elle se sont engueulées là-bas. Tu as vu une plainte au Cameroun. Elle a dit qu'elle porte plainte. Elle ne vous a pas dit que c'est au Cameroun. Ah. Elle a dit qu'elle porte plainte. Alors, on connaît les plaintes là. C'est les plaintes qui se font au Cameroun, on le sait. Elle a bien dit au Cameroun, c'est ce que Valérie a dit. Alors, elle a dit au Cameroun. Elle l'a précisé.
de Long Valérie n'a pas dit. Elle a dit que la liste était. Mais elle s'en a envoyé que les gens qui portent plainte. Elle n'a pas pris. Ah, d'accord. OK. Entendez-vous? Moi, je ne comprends pas ça. Portez plainte par-ci, portez plainte. Vous engueulez, c'est vous-même qui faites vos conneries. Vous êtes dans les mêmes mondes. Vous faites les mêmes choses. Vous êtes là, on dirait, vous êtes des grands, mais vous êtes des petits. Vous faites tout et n'importe quoi. Mais il y a des gens qui font porter plainte là. Ah, on n'est pas contre Malarose, mais on est en train de dire que quand tu te permets de venir te mettre dans la saleté, oui, ce que tu reçois. Elle-même, elle est sale aussi, je suis désolée de le dire. Parce que quand on parle d'icône, excuse-moi. Les autres viennent plutôt te demander conseil. Quand c'est terminé, tu les mets deux. Il n'y a même pas de mélange, il n'y a pas de mélange. Pour dire vrai, l'affaire de 300 dollars au beau, machin, va au pot. Si elle avait quelque chose à dire à sa fille, si elle voulait la clasher, il fallait qu'elle saute. Allez parler à Valérie, parce que Valérie va lui parler pour elle. C'est lâche. Pourquoi tu comprends, elle a roue. Aujourd'hui, elle a besoin que Valérie fasse. Moi, parle je veux bien qu'on dise, des trucs, mais quand même, elle n'est pas blanche. Hein. Je suis désolée, mais. Elle n'est pas blanche. Pas elle n'est même pas du tout, mais alors, mais elle, pas du tout. Alors, dis-moi. En tant que femme, là où tu es, tu vas laisser quelqu'un même parler pour toi. Oui, elle joue même aussi la victime pareil. Elle manipule, elle manipule oui, comme toutes. Elle porte ton gros caleçon, elle n'a qu'à venir dessus la table, elle dépose sa caméra, elle finit avec. Oui, moi. Tu ne même pas. Les deux sont pareils. L'autre, là, avant de partir là-bas, elle savait, on lui avait tenu. C'est ce que je suis en train de dire, c'est pareil. Moi, j'ai vu un répit de ta belle-sœur. Il y a un répit de ta belle-sœur. Moi, je ne vais pas faire mes portes plaintes, attends. La Rose, il y a un répit de ta belle-sœur. Qui... On ne me connaît pas. On va porter plainte, là. C'est moi qui va porter plainte. Je ne vais pas les plaintes. C'est toi qui as apporté que, n'est-ce pas, que l'autre a porté plainte. N'est-ce pas, ouais. C'est pas le sujet. Non, vous parlez, vous écoutez, parce que moi, je ne vais pas faire mes portes plaintes. Non, la Rose, franchement, il y a un replay de ta belle sœur là que je vois. Quelqu'un a fait une coupure toujours. Un replay de ta belle sœur, Choupita. Choupita, elle est une de l'hommage. Elle a fait une coupure là d'une ancienne vidéo de ta belle sœur où ta même belle sœur dit des choses assez moches sur elle en train de là de clasher oui, vraiment. Voilà. Alors, quand on écoute ça et puis on regarde les choses, excuse-moi, on réfléchit un peu différemment, non? Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est la période là que ma belle-sœur avait prévenu celle-ci qui allait entrer en elle. C'est pour ça qu'on vous dit que pourquoi celle-ci, elle passe de temps à récupérer les amis de l'autre. Chaque fois quand ses amis, ça finit avec telle chose, l'autre récupère. Moi, je me dis que ni l'une ni l'autre, je m'en fiche. Ce ne sont même pas mes belles-sœurs ni mes ex, rien. Je dis c'est la période là qu'on avait prévenu à celle-ci, on l'avait prévenu que elle aime le papa, elle aime le papa, donc fais attention. Mais quand aide-moi de t'aider pas pour le tout. Celle-ci même elle est d'une même celle qui dit qu'elle porte plainte, elle est d'une légèreté aussi. Je suis désolée de le dire. Maintenant qu'on a porté plainte à tout le monde, même à nous qui parlons dans le noir, on s'en fout. Comme tu dis, ils ont fait quoi? Qu'elle dégage. Tu devrais arrêter un peu, dis donc. C'est quoi? Emporter plainte. C'est quoi ces histoires-là? Les gens n'ont pas les moyens de leur politique. Quand vous lancez les cailloux, vous ne pouvez pas que ça va vous venir sur le visage. Si tous les gens sont dans les blocs français, fermez les comptes, mais portez plainte ici. Mais putain, il n'y aurait plus personne pour parler comme on parle là. Hein. Mais c'est ça que j'aime les plaintes là-bas, tu vois, en français. Parce que vraiment, les Français ne vous gèrent pas. On dirait que c'est là que vous dites. C'est là que vous dites. Ils vont gérer les gens qui se chamaillent dans les réseaux sociaux. Dans des conneries. Les réseaux sociaux, portez plainte parce que n'importe quoi. Il fallait me voir pour Emmanuel Keita. Ça veut dire qu'elle avait trois avocats, menteuse comme ça. C'est connerie. Elle avait son mensonge. C'est là, elle manque comme elle respire, c'est là. Hein? Oui. Un peu, portez plainte. Vous êtes trop lâche. Et où en Afrique? C'est même pas ici en France. Moi, je suis une procédurière, la Rose. Hein. Tu sais? Et tu es bassin. Quand ils font le pays, c'est pour que tu ne puisses plus rentrer. C'est la méchanceté. Moi, ici en Europe, je fais partie des personnes où tu ne me manques pas du respect n'importe comment. Tu ne me déranges pas dans mon périmètre carré parce que je te colle une plainte. C'est ça. Je te fais d'abord une main courante. Ah oui, moi, tu me... Non. Je te fais une main courante. C'est un avertissement. Calmement, tranquillement. Je reste dans mon coin. Elle ne s'était pas collée à ce personnage-là. On serait là où on est là aujourd'hui. C'est obligé. Attendez un peu, elles sont toutes pareilles. Oh. On ne va plus respirer maintenant. Pourquoi elle ne peut pas faire regarder comment on est là? On passe un bon moment. D'accord? C'est juste un bon moment. Sans plus. Sans plus.
Pourquoi ils ne peuvent pas ça? Non, on va se rencontrer. Ah, je connais tel chanteur. Ils vont créer les groupes de Congo ça. Voilà. Ils vont créer les WhatsApp de Congo ça. Ils sont dans le Congo ça. Et toi, tu sors avec qui? Tu sors avec qui? Là-bas, maman, les captures d'écran commencent à se balader partout. Tu as tout compris. Tout, le pire, c'est que la rose, tout ça, c'est toujours dans leur vie intime. Toi, ton ami et l'ami de l'autre et machin, truc et tout, et tout, et tout. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ça reste même pas en elle. Ça devient lourd. Ça devient lourd. Pour ça que j'écoute, il n'y a pas de parti pris, elles sont toutes pareilles. Et je vais vous dire que la plus ridicule là-dedans, c'est votre mari. Oui. Parce que c'est une icône, comme on dit. C'est une femme qu'on peut respecter partout. Elle a fait des choses. Les gens ont vu. Les gens téléphonent à l'été. Ils allaient vous mettre. Vous allez écouter ma Canada. Maman Canada va verser. Elle est belle. Sauf que maintenant, quand on lui crée toutes ces histoires à cause de sa nièce, alors qu'elle n'a jamais été d'accord avec tout ça, je trouve pas ça gentil. Non, mais c'est la... Maman, c'est l'organe. Ah, Kiki, c'est hypocrite, non? Mais c'est hypocrisie, non. Parce qu'ils se rendent compte que maintenant, celle-là, ils ne peuvent plus la retenir, bien la contrôler. Maman, le chauffeur est parti. Mais la robe, sauf qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Puisqu'elle-même là. Elle a voir. Voilà, elle avait. Parce que tu es sûr que tu veux ça. Hein? Le bloc qu'il faut avoir. Nous, on est là entre nous. Elle n'a rien à voir dedans. Voilà. Attendez un peu. Alors, si ça dépendait de sa soeur, sa nièce ou sa nièce. Je ne serais jamais venue. Je serais même. Non, elle a bien. En fait, ils auraient souhaité que, comme elle est sortie, qu'ils viennent clasher sa soeur pour dire que pourquoi tu es partie, pourquoi tu fais ça. Voilà, mais elle ne peut pas clasher sa soeur sur sa famille. Est-ce qu'elle a un enfant? Quand elle a un enfant, elle a un enfant. Non, parce qu'elle a une histoire de Facebook. Ça, c'est quoi là de lui demander aussi, quoi. Elle connaît rien. Oui. Kiki c'est comme sa famille. Pourquoi arrêter? Et puis, Kiki. Même si elle a tourné le dos à l'intérieur, que tout le monde va se tomber. Voilà. Non seulement elle ne peut pas faire ça, mais quelque part au fond d'elle, elle a aussi raison de jubiler un peu. Parce que sa nièce aussi avait merdé. Toi, tu es venue pour moi. Tu es partie ailleurs parce que tu trouves que moi, je ne suis pas star. C'est vrai, c'est vrai. Parce que normalement, elle devait suivre ça. Voilà. Est-ce que ça se fait? Tant elle pas ça. Ça fait quand même plus tard que tout le monde de la terre. Elle qui ne te connaît pas. Ouais. Elle est plus tard que tous mélangés. Mais elle est une femme posée, bien posée chez elle. Dans tous les ailes de sa maison. N'est-ce pas? Avec sa maison qui a les ailes. Tantôt elle a l'aile gauche, tantôt elle a l'aile droite. Ah, à boîte de matin, elle sort, elle part au travail. Oui, ta fille a trop cherché. Maintenant, c'est ça qu'elle le retour. Elle a trop cherché, comme tu dis. Parce que tu ne peux pas dire que tu viens défendre. Tu es venu cette fois pour défendre partout. Oui, oui, elle dépendait. Elle est venue défendre partout et sa soeur. Parce que à ce temps-là, ça chauffait. C'était le nom qui chauffait. Ouais. Maintenant, alors. Après, et quand elle a dit ça, sa tante lui a dit que non, moi, elle ne me défend pas. Oui, parce que. Après, c'est un peu comme pour dire que parce que je ne veux pas le Django, je ne veux pas le voilà. Sortir, obligé de sortir pour toi. Comme vous dites que sa tante n'était pas d'accord du blogueur que du gardien, du blogueur qu'elle voulait prendre. Parce qu'elle-même, elle est dedans, parce qu'elle n'est pas dedans. Elle le dit tout le temps, écoutez quelqu'un quand elle parle. Elle n'est pas dedans parce qu'elle a voulu être dedans. Elle est dedans parce qu'elle s'est retrouvée dedans. Donc, en gros, elle ne le conseillerait même pas à sa soeur. Mais sa soeur, elle est grande et majeure et vaccinée. Elle dit que c'est dedans qu'elle veut se retrouver. Elle a même constaté que même quand il y avait les gros clashs, sa tante ne se mettait pas à clasher quelqu'un fortement. Elle faisait un truc, elle dépiotait, elle donnait un point de vue leur juste, comme elle le dit si bien, que celle-ci se mettait carrément que « et vas-y, je vais te clasher, je t'insulte, machin, tout et tout, et tout, et tout, et tout. » Elle ne faisait pas ça. Hein. Quelle personne que cette femme clashe sévèrement ce soir. Tous voilà. Les autres, il faut regarder, elle le dévient. Voilà.
Elle, ça dit qu'elle parle comme si elle se responsabilise en fait. Non, mais... Elle parle comme si dans le sens de sensibilisation, comme elle me dit souvent, je m'entends parler, mais la seule personne qui est... La Rose, je dis que vous partez loin. Nous autres qui ne sommes que les non-aimés, genre comme je viens là chez toi, la Rose, tranquille. Si Sandra Rose arrive, tu m'ignores. Tu as compris, non? C'est le truc que je pour toi. Non, tu as compris ce que... Papa, tu as compris, vous avez compris ce que je veux dire? Oui, non, répète encore. C'est-à-dire que, ah, mais sa fille là même aussi, j'ai commencé à la voir venir à un moment donné, quand je commençais à me retirer. C'est-à-dire que nous, les non-aimes, par exemple, la Rose, on est là, c'est toi qu'on est à dire avec toi, tu comprends un peu. Oui. Mais sauf que, ça, c'est quand tu n'as pas grand monde. Mais quand tu as une personne que tu vois un nom qui brille, tu ignores que moi, j'étais là avec toi. J'ai déjà compris ce que tu veux parler. C'est des petits trucs que moi j'ai observés depuis longtemps. La preuve, on est lundi, non, le mercredi et tout. Pourquoi je reste chez la Rose? Parce que je suis bien là. Ouais. Tout simplement. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, n'est-ce pas la Rose partager? Moi je découvre son nom sur la page. Voilà, la Rose, la nouvelle qui vient de faire la page. Moi je partage. Il n'y a pas quelqu'un qui a partagé le direct de cette fille comme moi. Mais après, la Rose, ça, elle a fait la Rose. Bien. Tu vois la nouvelle? C'est dernièrement là qu'elle a commencé à revenir, non? Mais tout comme ça, elle me snob parce que d'après, je n'ai pas les vues, même ça, parce que ma voix, mes deux vues l'avant du cas et tout. Ta voix porte beaucoup. Voilà une nouvelle blogueuse là qui, du coup, c'est la porte, c'est Michel, quoi. La Rose supporte toujours. Je l'ai partagé. C'est la présidente. Mais c'est là où on me tague tout le temps dans son direct. Tout le temps, parce que je suis déjà rentrée dans son direct. Mais sauf que quand la Rose a son truc. Moi, quand j'arrive, je partage toujours. Après, quand ils font ça, c'est seulement que j'ai une façon. Mais pas chez nous, en bas, on dit que quand tu as fait le sourire des genoux de la personne, maintenant qu'il marche, n'est pas que ce soit qu'il marche. Tu entends ce matin, elle est hypocrite. Moi, ma part d'hypocrisie, là, même, ça m'a demandé. Je me disais, là, regardez dans quel côté l'hypocrisie là, est cachée dans moi. Je ne vois pas. Non, la Rose, tu embrasses tout le monde. La Rose, tu peux aussi, j'essaie de partager tes trucs. Ce n'est pas toujours à toi de partager, je suis désolée. Ah oui, hein? Ah oui, parce que... C'est à un moment donné, c'est un peu ça quand même. Hein. Oui, parce que c'est comme si... Pour elle, elle voit comme si tu l'es suffis. Alors que tu bah l'es... oui, alors que... à un moment oui. donné... Non, c'est comme moi, je me dis que bon, la toile est grande. Il y a mais c'est juste qu'à la fin, elle est dans le manque du respect. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ah, oui. Moi, je dis bien, c'est grand, c'est vrai, machin, truc et tout, mais quand même, comme on dit... Je te frotte le dos, tu me frottes le dos. Qui c'est en train de gonfler? Oui, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu es en train de vouloir fabriquer cela. Parce que j'ai vu comment tu as parti, quand elle parlait dans la bouche, je n'ai même pas écouté. Mais tu es en train de la fabriquer, c'est une bonne chose. Demain, quand elle va commencer à voir, ça va être sans vue. Elle va dire que qui c'est là? La Rose n'empêche que revisite ta fan base là. Hein. Parce que moi, j'en ai marre de publier des trucs. Non, moi, j'ai ma fan base. Hein. Non, elle fan club. Je ne sais pas comment je peux balancer des trucs et ça partage et ça c'est. Ma chérie, si je ne comprends pas la faire comment ça va être une femme qui avait créé ça. Elle a mis ma photo. Ah, faut alors que tu ouvres nous, tu contrôles la page. Ok. Celle-ci, où tu es là, elle ne te suffit pas, tu veux une autre. Celle-là, quand je partage des trucs, quand tu me dis, je n'ai pas trop de personnes à qui je partage. Les pages de fan club, c'est les femmes qui les créent. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'aime, qui décide de créer une page et faire une de ça. Tu as raison, Jaco. Marie-Lou, réveille-toi. C'est un homme qui a constaté. Je ne dors pas. Je n'ai pas dit que tu es vivant. Je ne dors pas. Donc, les groupes là que tu vois là, les groupes, on n'est pas, ce n'est pas souvent toi. Il y a beaucoup de voilà. Tu as des commentaires que la diva porte plainte à tous ceux qui ont dit que elle a faume avec la baisse de la Rose. Dis donc, à qui a fait un an, on s'en fiche, on n'a pas parlé de qui dans l'étoile. Donc, c'est bon là. On a dit que pourquoi elle est parfaite, elle n'est pas parfaite, non? Et alors si on a dit ça, et après quoi? Et après. On a dit ça. Elle a fait comment pour qu'elle se retrouve là-bas sans dire ça. Voilà, comment elle a pu se retrouver là-dedans? Et pourquoi qu'elle est venue raconter les bêtises que. Pourquoi elle est venue raconter se retrouver où elle est? Marie-Louis, on a dit avec toi, Jean, quand tu descends dans la santé, tu descends dans la boue.
la boue va monter. Quand tu entends Coco parler, Coco te dit qu'il y a Zogo. Il y a le truc, le commissaire Julien Zogo qui connaît des trucs parce qu'ils ont parlé ensemble, parce que machin, truc et tout. Vous croyez que c'est inventé tout ça? Arrêtez. Mais Marie, ça n'a pas question de tout commissaire. Non, c'était pas Coco dit là qu'il y a un commissaire Julien Zogo. C'est qui qui était en train de. Sauf que c'était dans la même histoire que moi, j'ai entendu ça. Alors, la question qui est importante que tu as posée, c'est que comment faire pour que ça se retrouve déjà là? Même s'il n'y a rien eu, on s'en fout. Quand le, problème certaine... que, le problème, c'est qu'elle devrait faire un profil bas. Elle devrait faire un profil bas et puis la faire meurt. Elle n'a pas à venir trop parler parce qu'elle-même, parlons. Quand on est une diva, on va être au rang des diva. Voilà Flore qui est en train de verser avec l'histoire d'avant. Là, moi, je ne connaissais pas. J'ai vu une coupure, je crois. Mais comment parle de les vosses là-bas? Elle aussi, tu vois, elle ne parle pas. Ce que j'ai écouté dans ce livre. Paul pour aller chez Pierre. Non. Ben oui, c'était un plan de. Il n'y a pas de le voice. Voilà. Je veux dire, quand tu écoutes une personne parler comme ça, tu écoutes aujourd'hui pour nous qui sommes là aujourd'hui, tu te poses des questions sur la personne. Ça veut dire qu'elles sont toutes pareilles. Comment les gens peuvent insulter, comment elles peuvent insulter là? C'est tout ce qu'on a déjà dit sur Terre, sur elle. Est-ce qu'elle est morte avec tout ce qui s'est déjà passé avant? Est-ce qu'elle en est morte? Franchement, parce que maintenant tu vas donner un pleur parce que demain encore, quand on va se gâter avec elle, elle va venir te verser. Et ouais. Ça va qu'on va reprendre le cycle. Tu vas encore aller chez qui c'est passé. Pareil. Il faut laisser un bon, Elle aura encore fait ceci. Quand, bon, je peux comprendre que l'autre a allé sur la page du facteur là-bas, elle a fait une demande de Quintel là, et qu'elle a fait là, qui n'était pas bien. Mais moi, ça passe que je vais faire. Fais un pause, je dis, je te parle, je te dis, tu n'arrêtes pas ta connerie, tu vas me voir passer. Si c'est une histoire vraiment, si ce que Coco a dit est faux, elle porte plainte ici en France, elle va gagner. Parce que c'est une déformation. Si vous portez plainte, tu as d'abord besoin de dire à envoyer les autres gens mais que la personne ne va pas leur dire que je vais porter. Mais tu portes plein la personne s'assoit seulement. Comme je voulais même dire, qu'est-ce qui a venu d'annoncer? Tu prends les gens, on entend seulement là les coulisses que apparemment là. On s'assoit, on entend seulement que telle a reçu la convocation. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer un bouc émissaire pour venir annoncer? Elle commence tout à me sortir. Tu vas te la passer. Elle commence tout à me sortir. On veut bien les défendre, mais franchement, elles sont indéfendables. Au Cameroun, ça se passe comme ça. Carnet et Solange là-bas. Oh, je vais me porter plainte. Interpol a fait que. L'autre là-bas. Oh, je vais porter, c'est quoi? Et Brenda Bia fait alors comment? Hein? C'est là que. Et celle qui est Brenda. Vous, maman. Et je voulais qu'on attaque notre Congo, ça là, mais qui est un peu. Qui est au-delà de ce qu'on fait souvent. Mm-hmm. Vous voyez la polémique qui se passe avec Aya Nakamura. Aya Nakamura. Maman, on l'a compris. Okay, pardon, c'est un peu mon nom. Aya Nakamura. Vous voyez la polémique qui se passe là? Oui. Oui, Aya Nakamura. Oui, par rapport à Beyoncé, vous pensez quoi? Mais quel pire? La polémique dit quoi? Non, la polémique dit que apparemment elle a dû faire une interview quelque part. On a dû lui poser la question de savoir si elle a peur de Beyoncé. Elle a dit non. Elle était une très grande fan de Beyoncé. Mais elle est plutôt surprise que apparemment. Le fait que les polémiques se passent, le fait qu'elle a choisi de faire son concert, si vous vous rappelez, quand Beyoncé faisait son tour, arrivait là-bas chez vous en France, c'était au même moment que Aya faisait son concert. La même semaine, je crois même que le même jour. Hein. Alors, les polémiques, mais. Elle dit qu'elle n'a pas peur d'elle, elle la respecte, mais pourquoi? Bon, on veut les couilles. Elle dit que, mais je suis la deuxième femme noire après Naomi Campbell, être sur tous les magazines de Vogue et tout et tout. Qui dit ça? Mais bon. Beyoncé ou Aya Nakamura? Aya. On parle de noir de peau comme elle, oui. Naomi Campbell, la peau de belle. Donc en fait, la polémique, c'est quoi? C'est qu'elle est en train de vouloir comparer. Elle dit, ok, elle arrête de se comparer à Beyoncé. Non, je ne dis pas qu'elle ne se compare pas, mais la raison de dire qu'elle n'a pas peur d'elle. Parce que moi-même, quand j'ai constaté qu'elle a fait le concert le même jour que Beyoncé, vraiment, elle a fait sa guichet fermé. Beyoncé a fait son concert à guichet fermé, elle a compris qu'elle a tué pour le reconnaître. Avoir pris le courage de le faire. Mais qui, tu sais qu'elle est aussi dans les trucs, non? Peu importe. Bah si, mais elle est là-dedans, il n'y a pas de peu importe. Si les autres, on n'a pas dit ça, elle est dedans. Toi, t'en connais combien de noirs qu'on a propulsés comme ça, même ici en France?
Non, je ne dirais pas ça, Madi, parce que la fille, elle ne veut pas te mentir. La façon dont elle est tellement combattue, Madi. Tu sais qui me raconte leur potin souvent? Non. Ta fille. C'est ma fille qui me raconte, parce qu'elle connaît toutes ces choses-là. Elle connaît tous. Elle est dedans. Elle est dedans. Elle et notre frère, là. Maître truc, là. Ok, mais... Non, je suis pas des lunettes. J'ai compris. Non, maître Gims. Ah, celui-là, c'est pas caché. Oh, mais je te dis qu'elle est dedans. C'est un seigneur dans les choses-là. Elle est dedans, c'est pour ça que tu la vois. Tu ne vois pas à quel niveau elle est en train de monter. Elle va y arriver. Tu me diras un jour. Elle est dedans aussi. Ah bon, hein, moi, je sais pas. Oui, elle est dedans. Ah, sur les potins, là, quand je veux connaître les potins, hein, il y a certaines choses, de certaines choses un peu plus dans leur monde-là. J'appelle seulement ma fille, je dis, chérie, j'ai vu un truc, ça voulait dire quoi? Elle me dit, ah, au moins, je te dirai quand on va se voir, je te dirai, je dis, ok. Ouais, Marlou qui dort. C'est Marlou, mais c'est la rose. La rose. La rose a tenu aujourd'hui. Non, mais la rose. Attends, c'est Marlou, non, parce qu'il y a quelqu'un qui fait un bon. Je suis là, je vous écoute. Je suis là. Ouais, même si elle a peur d'elle, elle n'a pas peur d'elle, c'est normal. Oui, non, parce qu'on a trouvé que, apparemment, moi je me dis que c'est les gens, dans les coulisses qui sont en train de parler en fait. Mm-hmm. Mais comment elle a pu faire ça? Parce que c'est que dans leur milieu là, il faut respecter certains. Toi, tu n'as même pas vu comment on la propulse, hein. Tu ne te rends même pas compte. Tu vas voir. Mais pendant qu'on la propulse, au même moment, c'est les mêmes qui vont sur la télévision l'insulter. Non, moi, c'est là que je dis que je suis surprise. Ouais, non, mais bon. Ou bien c'est quoi? Un camp qui est contre et un camp est pour, c'est ça? Moi, je dis toujours, ce qui m'énerve chez elle, c'est qu'il faut qu'elle trouve un bon civil parce que cette fille-là se fagote mal. Elle a du fric. Elle porte toujours des trucs de... Comment tu appelles ça, Marie-Lou? Je crois qu'elle fait ça. C'est un peu comme la rose. Mm-hmm. C'est un peu comme Roselyne Layo. Elle fait ça exprès. Mm-hmm. Elle ne fait pas exprès, elle ne connaît pas. C'est une malienne. Elle ne connaît pas. Non, elle fait exprès, m'a dit. Elle croit qu'elle n'a pas de conseiller vestimentaire. Elle ne connaît pas. Qui elle ne connaît pas. Ici, elle ne connaît pas du tout, mais alors que dalle. Non, je ne demande pas qu'elle n'ait pas obligée de le connaître. Mais l'argent qu'elle a lui permet d'avoir un conseiller vestimentaire. Mais sauf que tu sais comment la communauté malienne vit, elle est celle qui est choisie dans sa famille. Donc, même si nous, on la voit sur les affiches, à l'intérieur, elle reste un peu cette personne avec le côté assez village. Elle ne connaît pas. Et puis, peut-être, elle est... Puis, c'est une fille de la banlieue, hein, banlieue pure, banlieue, même pas UP, tu vois ce que je veux dire? Elle est restée dans le style cité, mais tout en essayant d'être sexy aux yeux du monde. Sauf que les goûts, c'est pas ça. C'est un peu ça son problème. Mais si elle se relouque, elle est magnifique, elle est même belle. T'as pas vu derrière moi, elle était sur scène, elle était presque nue. Oui. Voilà. C'est ça quand même. Quelqu'un a fait une petite vidéo pour expliquer que le geste qu'elle a fait là, où elle s'est baissée là, où elle est plus, que voilà qu'elle est déjà en train de mistake. Là, oui. Mais je t'ai dit qu'elle est là dedans depuis, c'est pas d'aujourd'hui, je te l'ai dit. J'ai oublié la partie là. Ah. La personne a expliqué qu'elle était là comme ça, elle n'avait pas de slip. Elle monte bientôt, elle va même mettre la scène dehors, tu vas voir. Elle n'avait pas de slip. Et que le geste qu'elle a fait là, non, c'est fini, elle est déjà dedans. Elle a plutôt, en faisant ce geste là, c'est un peu comme si dans le monde spirituel, elle a dégagé quelque chose pour verser sur le public. Mais oui, il faut. C'est satanique. Tu dis que les enfants, si quand les enfants te disent des choses, non, c'est leur. Quand elle a déjà oublié la partie là, parce que pendant son concert, c'était le concert là, non? Et moi, j'ai regardé après, j'ai dit hi. J'ai regardé, j'ai dit ouh, elle est dedans. Non, elle a fait. Elle est dedans depuis un bon bout de temps. Maintenant, elle est juste en train de concrétiser les promesses. Et elle monte, oui. Et elle monte. Avant, elle ne faisait pas ce genre de choses. Évidemment, elle a commencé à faire. Elle n'aurait même pas fait un concert, même à guichet fermé, quand Beyoncé fait un concert. Ah. Elle aurait fait un concert. Bah oui. Ça veut dire que. Ça veut dire qu'on est en train de fabriquer une version, deuxième version de Beyoncé. Mm-hmm. Et quand j'aime là, elle dit que je n'ai pas peur. Oh. On dirait qu'on l'a envoyé. Je te dis que tu vas voir, hein.
Mais tu n'as pas vu votre Didi quand il est mort là, qui était en train de parler en France? C'était pas lui. Lui, non. Il a quand même plein. Pourquoi il n'est pas parti au deuil? Il était en plein mer avec son yacht. Je ne veux pas que ce couple-là et ce couple-là, hein, maman, je ne pars pas non plus. C'est lui qui avait amené Didi, non? C'est lui qui l'a amené, non? Non, ce que tu dis, moi, j'ai l'impression que l'Europe, la France en particulier, ils veulent fabriquer le Bénin. Ils ne veulent plus seulement Beyoncé, ils ne veulent fabriquer le Bénin. Le problème, c'est que ici, les gens le font d'une bonne façon. C'est chez nous qu'on les berne. En fait, ils sont bernés, nos stars en Afrique sont bernés. Parce qu'ils meurent aussi comme, ils tombent aussi comme des petits, tu comprends un peu, non? Mm-hmm. Qu'ici, ils peuvent durer jusqu'à un moment, même si en général, mm-hmm. 50 ans, c'est déjà beaucoup. Mais ils y arrivent quand même et à se faire vraiment du fric. Ouais. Est-ce que les artistes ont une effet aussi? Ah, Marie-Lou va te coucher, non? C'est quoi, c'est forcé? Hey. La route fait la détente. Oui, c'est vrai que les partout du passé, c'est parce que quelqu'un peut couper la partie d'un pied ou là. Il faut la faire la détente. Capture des écrans vont descendre. Oui, j'ai du sang, maman. Oui, c'est bon. Ta maman m'a dit que regardez-moi les chouettes. Oui, tu as bien fait. Non, elle m'a dit, dans la roche, je demande est-ce qu'il ne faut pas la retraite. Tu sais que quand tu es artiste, c'est un peu comme les professions libérales, non, genre avocat. Tu dois préparer toi-même ta retraite. Mais la rose, toi, tu connais combien des méga gigas ont été vraiment en retraite, on les voit vieux. Vraiment. Les méga giga stars mondiales. Comme Tina Turner. Oui. Ouais, par exemple, comme elle. Combien tu ne prends pas la retraite juste parce que tu sens que tes forces ne te donnent plus. Tu n'as plus cette possibilité de devenir en scène. Moi, c'est dans le côté spirit. C'est-à-dire que quoi? Wow. Le pacte d'inspiration. Hein? Tu as remarqué, ils sont tous par la grande porte. Regarde bien toutes les grandes icônes qu'on connaît. Tu commences à la plus jeune, ouais. Marilyn Monroe, et tu commences à monter. Marilyn Monroe. Dalida s'est suicidée, oui, mais Dalida, je ne sais pas si elle était dedans, je ne crois pas, non. Elle n'en faisait pas partie, elle avait un talent, voilà. Mais regarde bien toutes ces grandes, grandes, grandes icônes d'avant, là. Ouais. Tu regardes Marilyn, tu regardes Marilyn Monroe, tu regardes Michael, tu regardes Whitney Houston, tu regardes Prince, tu regardes, il y en a plein. Whitney Houston est mort. La rose. Non, ça, laisse ça. Il fabrique. Laisse ça. Laisse ça. La rose. Avec elle. Non. Tu sais, elle ne voulait plus. Elle sortait. Elle voulait même faire son grand retour. Non, voilà ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle rentre dans le monde qu'il a. Elle est rentrée à l'église parce que c'est là-bas qu'elle avait commencé. Alors, les gens lui ont dit que, ok, viens alors nous faire un truc, un dernier tour. Le dernier tour, là, dans le film qu'elle a fait. Quand tu rentres là-bas dans ta salle de bain, vous êtes que toi et tu es seul là-bas. Hein. Le truc qui vient là-bas te prendre, tu fais ça. Tu vois, tu commences. Dans ton petit milieu, ton petit niveau, ces gens-là, plus ils te donnent, plus tu te lèves, malgré que c'est ton support, même parfois, parce que oui, parce que chanter, ce sont tes propres supports, c'est ça. Mais ils vont te faire croire que c'est tous les voix. Mais si vous comprenez l'histoire, là, la rose, il faut que vous retourniez, il faut chercher des lectures où on parle du début de la musique, la personne qui a créé, qui était le plus grand musicien à l'époque où nous, on n'existait même pas, c'était quoi? Il avait fait un pacte avec le DIA, vous comprenez? Mmh. Et quand il jouait, il avait déjà un talent, parce qu'il faut déjà avoir un talent. Mmh. Quand il jouait, parce qu'il avait fait ce pacte, à un moment donné, lui-même les écrit plus tard, il dira que c'était même pas lui qui jouait, c'est quelqu'un d'autre à sa place. Mais quand il se mettait seulement comme ça, les notes partaient toutes seules. Et c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Donc, les étoiles que vous voyez là, c'est pour ça que le DIAE est trop dans ce monde-là. Parce que c'est un monde qui inhibe. D'accord? C'est un monde qui est... C'est un peu comme on dit. Tu sais, tout ce qui a légèreté, tout ce qui est... Le mot... C'est les choses de la vie, le S-E-X-E, la D-R-O,
la drogue, l'alcool, tu vois un peu, et le succès. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est sur le monde, là, il n'y a rien de sérieux, tout doit être toujours brillant, tout doit être beau, tout doit être grandiose. Donc, on attire toutes. Tu viens au départ, tu as ton émotion, on prend pas n'importe qui. C'est pas tous qui réussissent, mais tu as déjà un don, un talent. Oui. Tu vois? Non, voilà. Mais ça, l'histoire même de ça, tu lis certains trucs, il faut aller lire. Vous allez voir, c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'on les attire dedans. C'est un cercle qui est depuis longtemps et c'est fermé. C'est fermé. Même toi, Kiki, toi qui es là-bas chez vous, là-bas aux États-Unis, tu as vu qu'il y en a d'autres qui n'ont pas réussi parce qu'ils ont refusé. Oui, non, quand tu veux, on connaît, on les connaît. C'est pas quand voilà, connaît, tu, as, on connaît. Tu te rappelles de la petite Brandy? Oui. Elle n'a jamais pu percer. Elle n'a jamais pu être grande. Brandy et Monica. Ah, oui. Elle n'a jamais pu arriver au sommet, Brandy. Pourtant, elle avait du talent. Moi, je l'ai je suis depuis longtemps, hein, ces gens-là. Elle avait, mais non, quand tu ne peux pas céder à ce qu'on veut, tu restes à ton niveau. Ok, on ne te prend pas, mais tu redescends. Elle n'a pas dit que, comment on appelle ça, ces gens-là. Bon, comme tu dis, la petite. Non, comme c'est pour ça qu'elle n'est pas, hein, parce qu'elle ne voulait pas. Elle s'est pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez de Alia? Oui, oui, c'est ce qu'on a fait, non. C'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on l'a fait? Et qui a pris sa place à Alia? À ton avis, à l'époque, c'était qui? Celle qui était là-bas chez vous, non? Non, Alia était aux États-Unis, c'est votre fille. La jeune que qui celle qui est venue faire le concert chez vous. Exactement. C'est elle qui avait pris, non? Bah, oui. Le B, là. Même pas le B. Depuis la nuit des temps, hein. Nous, ça nous étonne parce que le problème, moi, ce qui m'énerve, c'est que ça existe depuis. Mais quand ça arrive au continent, c'est la cata. Chez nous, ça gâte trop. Oui, non, regarde, par exemple, pour le temps, quand quelqu'un est déjà dedans, comme tu dis, on le voit, parce que déjà, le fait que Aya se retrouve sur la page de Vogue, on se pose beaucoup de questions. Merci. Parce qu'elle a quelle autorité pour atteindre là. Naomi, la fille qui a fait une seule chanson a fait plus de vues en une semaine que Edith Piaf. Vous rigolez? Naomi Campbell, elle a travaillé dur. Cette fille, dès qu'elle s'est imposée, elle a imposé le respect, elle a travaillé dur. Même pour moi, même jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas la place qu'elle mérite. Même pour moi, jusqu'aujourd'hui, Naomi Campbell. Mais elle n'a pas cédé. Elle a eu vraiment. Je suis d'accord avec toi que la petite, elle est en train de la fabriquer. J'ai constaté, on l'a déjà fabriquée depuis longtemps. Maintenant, elle est en train de faire sa concentration. C'est ce qu'elle est en train de faire là. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Elle a... Pas que depuis longtemps. Quand elle commençait, est-ce qu'on la gérait? Non. Non. Vas-y, que tu me dis que quand elle a commencé là, dès le début. Tu l'as propulsée, elle a eu plus de vues que Edith Piaf en une semaine. Ça a fait le tour des médias. Ça a étonné tout le monde ici en France. C'était qu'elles sont. Je sais pas combien de vues. Quand elle a fait son jade. Ah, oh, Dja, c'est ça? En fait, en même pas deux semaines, tous les médias ont parlé. Mais je dis ah, mon premier son, là, non. Moi, je me suis posé la question que, mais là, je même pas cette chanson. Elle, avant, elle chantait déjà avant. C'est là que ça a commencé. Après la conversation. Même jusqu'aujourd'hui, quand tu écoutes les filles, la parole des filles, là, que les, plus, les Français de tous se posent des questions que, mais, là. Et je te rappelle d'abord qu'elle a, et je te rappelle quand même le chant, la chanson, elle a chanté avec Alicia Keys. Hein. Ah bon? Je n'ai pas vu ça. Jaja, Alicia Keys l'a invitée dans son concert pour chanter avec. Ah non, mais ça va. Bah oui, je te dis que t'inquiète. Elle a reçu le baptême. Elle n'a plus peur de Bi, elle sait pourquoi. Oui, quand t'as dit ça, c'est vrai. Quand t'as dit qu'elle n'a pas peur d'être, ça veut dire que oh, 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 petite. C'est quoi, on est en train de pouvoir te... On va déclasser la Queen Bee? Moi, je dis seulement qu'en Europe, ils savent les managers, Europe, Amérique et tout ça. Moi, c'est ce qui me fait mal, c'est nos jeunes en Afrique, parce qu'on les trompe, en fait. Si tu as bien remarqué. Pour chez nous, la bombe, hein. Oui, la on les trompe. Et voilà, on les trompe. Eux, c'est le côté sauvage. On prend vite ce qu'ils ont d'important et après, ils n'existent plus. Non, mais que eux, ils ne vivent même pas la vraie Starmania avant même de prendre les vieux. Qu'est-ce que je dis? C'est la barbarie là-bas, ce sont les miettes. C'est des choses qui existent ici depuis tellement longtemps. Ils sont pleins là-dehors, pleins. Mais regarde,
Pour certains, quand ils veulent commencer à ouvrir les yeux, voilà le gros nounou, sinon. Il a appris qu'il était malin. Quand il veut commencer à ouvrir les yeux, qu'est-ce qui se passe? Ouais. 3 ans. Donc, de choper et bim, terminé. Quand tu entres, il n'y a pas de porte qui sort. Oui, il n'y a pas. Quand tu réussis à sortir, c'est la folie. Ils deviennent comme si tout le monde veut même te mettre de toi. C'est compliqué. Vous savez quoi, les filles, je vais aller me coucher. Hein. Vas-y, même la route dort déjà, même je vais pas. Oui, parce que là, en tout cas, ça a été bien ce soir. Mais pas bien ce soir. Parce que... Arrêtez d'aimer le fait que Ndola est revenu. Oui, parce que... Rima. Ouais, notre Ndola national. Oui, on peut, pas être d'accord, mais il faut que... Oui, mais là, on n'est pas d'accord, on échange. La voix, c'est chez les ancêtres, elle est revenue. C'est vraiment ça, je prends tous ses ancêtres. Évidemment, c'est la sœur de la rose. Ndola, en fait, c'est le genre de personne, elle peut s'énerver une minute, mais elle baisse aussi vite. Ndola n'est pas énervée, c'est que les gens n'ont pas compris. Elle peut parler avec passion à l'instant, mais quelques temps après, tu la vois redescendre, en fait. Quand tu n'es pas, tu ne vas pas dans le sens de quelqu'un, tu es ému. Oui. Ah, c'est ça. Là, je ne sais pas comment les gens utilisent le mot haine là, à ton et à travers. En et à travers. Moi, je dis maintenant, quand on est à l'arbre à palabre, quand il y a un truc qui est bizarre, je laisse d'abord qu'il puisse avancer. Ah bon, hein. Maman, j'attends sa chèvre. Quand t'as pas de chèvre, c'est fini. Non, pas la chèvre. Au contraire, je lui donne beaucoup trop de... Je lui donne du poids, c'est-à-dire que elle va peut-être mieux vite et... Elle va mieux et très vite comprendre. Kiki va d'abord mourir. Tu peux avoir... Kiki, regarde si c'est bon, je viens. Voilà, Kiki va d'abord mieux comprendre l'autre en face, tu vois un peu. Moi, je vais y aller, c'est clair, net et tout. Que Kiki va d'abord... Voilà, donc Kiki avance d'abord. Non, j'ai aimé comment on a géré l'affaire de Patou, hein, parce qu'après tout, hein, on est tous de la même région, vraiment, béton. Parce que ce que les autres font, on n'est pas obligé de faire pareil. On peut faire différemment. Et tous les personnes qui comprennent, et Nyando aussi. Oui, parce que comme on disait, à un moment donné, ce qu'on cherche, c'est que les deux arrêtent. Ça nous est... Et tu as quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est pas si c'était Madi qui a dit que... C'est pas si c'était Madi, c'est la rose. Que quand c'est la rose, quand les deux font alors ça, tu gagnes quoi? Les deux sont perdants. Tu as dit que Patou a des bons concepts, elle doit se concentrer, elle a des bonnes choses qu'elle peut faire. Tout à fait. Ça n'apporte... Voilà les alliances qui sont en train de tomber. Elle va encore aller s'accrocher. Ça ne porte tout ça. Je dis que vous avez raison, ça sert à rien. Moi, la seule chose, c'est que je suis un peu comme ça même dans ma vie. C'est-à-dire quoi? J'aime pas les personnes. Surtout, je punis beaucoup plus les grandes personnes que les enfants. Les enfants, je passe facilement dessus. Je me dis, bon, ils sont ignorants. Mais quand une grande personne se répète trop dans la bêtise, je me dis, bah écoute, tant pis, ça gâte. Et puis voilà. Mais au fond, je ne suis pas pour que ce soit un léchage comme ça. Non, il faut savoir arrêter. Oui, parce qu'elle s'assoit et dit que, oh, pas toi, ton. Non, je ne suis pas d'accord. Les temps sont partagés. Les gens sont trop... Dans une histoire, les temps sont tous partagés. Non, on ne peut pas. Un côté, ça prend deux pour faire un problème. Non. Je dis deux. C'est deux personnes qui ont les problèmes. Je continue de dire que, pour ma part, je ne trouverai jamais un homme qui ne prend pas sa place d'homme. Je ne lui donnerai jamais raison. D'accord. Même s'il a toutes les raisons. Parce que je respecte cet homme. Parce que je me dis, je trouve, comme on disait tout à l'heure, on respecte l'homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Je respecte l'homme, cet homme-là. Je vois comment il est. Je me dis, même s'il chie souvent chez lui, on s'en fout. Mais j'aime cette personne qui se présente avec ce respect, avec cette fierté. Quand un homme entre dans la boue, moi-même, je prends la boue, je lui mets dessus. Je dis, maintenant, c'est bon. Ouais, j'ai ce côté-là un peu hard. Mais moi, je ne le ferai pas. À un moment donné, je préfère sortir et claquer la porte. Moi, je préfère. Voilà, mais c'est-à-dire, quand je dis ça, mais je ne veux pas non plus, je ne dis pas qu'il faut non, quand même qu'on lui lance complètement les pieds. Voilà. Parce que comme je disais tantôt, le combat entre un homme et une femme, la femme ne gagne pas, même si tu as raison. Il y a un bras de fer là. Il faut laisser. C'est ton silence là qui va finir par le faire tomber. Oui, tu comprends, non? Mais là, Kiki,
il y a quand même des trucs. Tu comprends, non, on est d'accord, mais à un moment donné, comme je dis, Dieu nous a donné cette force de la magie, d'avoir le cœur. Moi, je parle dans le sens que, Kiki. La ressource, tu es là. C'est un peu, tu vois, on parlait tout à l'heure d'une histoire, là, c'est entre les femmes, d'accord? Je prends un exemple. Vous voyez de qui on parlait tout à l'heure, de votre maman, machin, là, d'accord? Oui. Je peux lui donner tous les torts possibles. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as été foutre là-dedans? Connaissant le statut dont tout le monde parle d'elle. D'accord? Tout le statut n'est pas que l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. Voilà. Maintenant, je ne serais pas d'accord qu'on l'amène jusqu'à un niveau. Ce n'est pas bon. Mais n'empêche que, eh bien, s'il faut qu'on te mette une douche froide, on va d'abord te la mettre. Ça va peut-être te ramener sur terre. Ah oui. C'est un peu dans... C'est dans ce sens-là que je le dis. Hein. Et... Non. Donc, voilà quelqu'un comme ça. Alors, je mets la même chose au niveau de l'homme dont on parle. Cet homme-là que tu vois comme ça, qui a quand même une famille tout derrière. Non, parce que lui, il doit peser le pour, le contre, voir qu'est-ce qui est. Il y a maintenant le business qui est dehors, il doit choisir la bonne chose. Ça ne va pas aider. Cette pauvre femme-là dans la boue, quoi, je plains son mari. Oh mon Dieu, c'était ma petite sœur, je plaindrais ton mari. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, en tant que pour lui, je me mets en hauteur. Mais c'est lui qui est plus en bas. Alors je dis, quand tu es en bas, on va te mettre plus bas. Et maintenant, on va te relever. Moi, c'est comme ça. C'est que Patou est en train de faire ça qu'on dit que bon, on a compris. Oui, tu as raison. Oui, oui. Mais c'est bon. Voilà, mais l'aide, ça va. Oui, ça va. Voilà, c'est ce qu'on s'est fait. Parce que à un moment donné, quel est le but à la fin, en fait? Est-ce que la nuit, quand tu vas dormir, tu es en paix? Vous savez que je ne vais plus dans ces directs, hein, parce qu'il a toujours des mots d'insulte, même quand c'est juste un direct. Et comme elle a dit, il est entré dans un engrenage de clash qu'il n'arrive plus à sortir. Alors qu'il n'était pas comme ça avant. Hein. C'est lourd, Kiki. Pourquoi au début, je te dis, c'est lourd. À chaque fois, c'est lui-même qui s'est appelé le couple de la paix, hein, parce qu'effectivement, quand il venait sur la toile, il venait avec ce concept-là qu'ils viennent pour apaiser les choses. Il parlait, mais je ne sais pas où le déclic est arrivé, franchement. Il y a toujours ce petit mot pour dénigrer, surtout la femme. Surtout. Quand tu es une femme, tu as du mal à écouter ça. La rose, comme elle a dit, la rose, elle va faire une sortie pour nous parler aussi dans la politesse. Non, mais la rose, fait, je sais que la rose va parler, mais la rose parle toujours correctement. Je ne dis pas que c'est bien, hein, Kiki, vous avez raison, il faut que ça s'arrête. Surtout, il y a le commerce qui rentre en cours, c'est pas bien. Oui. Et même quand Patou parle, hein, même le commerce, elle a dit, il n'y a même pas de mal à faire tout ça, on s'en fout. Tu comprends? Mais il faut seulement que ton propre mari, c'est lui qui a gâché ton nom avec lui. On est d'accord. Quand on dit qu'il faut que lui, maintenant, il doit peser le coup. Elle ne dit pas que c'est de la merde. Hein. Elle ne dit pas que oui, n'allez pas prendre. Hein. Elle dit juste que ça, on s'en fout à la limite. Tu comprends un peu. C'est toujours votre jardin planté, là. On n'en a rien à foutre. Mais c'est lui qui gâche. Il n'y a rien de nouveau. Voilà, si la goutte avait continué, tu imagines ce que ça allait donner. Tu as parlé qu'elle dit que c'est elle qui a fait que l'affaire de la glute a explosé. Voilà, c'est pas bien. Si la glute a continué, la continue. C'est ça qui me fait un peu mal. Je ne mets pas les organes. La rose va dire, je ne mets pas les organes. C'est juste que quand tu m'entends dire ça, parce qu'elle a raison, et elle a raison sur les points qu'elle a cités, ça ne veut pas dire que je suis d'accord qu'elle continue le clash. Non. Ce que vous avez fait, Rose et toi, c'est plutôt dans le bon sens. C'est le très bon sens d'ailleurs. Il faut savoir calmer les choses. Tu comprends? Elle a compris. Non, tu sais aussi. Il va faire la vie encore sortir et dire, regardez-moi ça, les connasses. Ton père là. Normalement, il aurait dû faire ceci. Avec tous les pics que la vie t'a lancé, il n'aurait jamais reconnu. Il aurait fait ignoré. Arrête la honte. Mais quand il a commencé les pics, Kiki, c'est parce qu'on n'avait pas suivi au départ. Oui, pour dire la vérité, c'est lui. La vérité, c'est lui. Mais donc, ce qu'il disait, elle aurait dû passer outre. D'où Rose avait fait la première sortie pour décrypter ce que la Gluta disait. Tu comprends un peu. Que pourquoi
Même si lui lance les pics, personne n'a remarqué. Non, moi, pourquoi elle mais exactement, on n'a pas remarqué. C'est là où elle a merdé parce qu'elle est venue faire que les gens remarquent ça. Comment elle-même a dit que elle a dit à la maman que je ne peux pas être là. Donc j'avais à gérer le truc. Mais pourquoi, si l'on veut te lancer les pics, tu es une dame, tu dis que tu es une grande dame, tape l'œil dessus. Kiki, moi, je crois qu'il y a un mal plus profond que ce qu'ils nous ont voulu nous montrer. C'est passé autre chose plus que nous, on sait. Ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas sûre que la dame aurait souhaité qu'après la force est produite, peut-être elle pouvait lui faire ça. Je crois que c'est quoi? On ne dit pas que la dame lui avait proposé de faire une gamme, qu'elle peut lui faire une gamme enfant, quand elle lui a parlé de son projet. Oui, voilà. Ça lui permettait de se démarquer déjà sans et tout. Et comme les enfants s'entraient dans le même concept, c'était pas mal. Non, mais attends. Elle vend quoi? Elle vend comment les gélules? Kiki, il s'est passé d'autres choses. Voilà. Que nous ne savons pas. Pour moi, pour dire la vérité, elle m'a dit, cette affaire d'aller faire les produits des enfants, combien achètent les produits des enfants là sur la toile là? Dis-moi la vérité. Qui va acheter? Il ne faut pas faire. Voilà Mamie Kongosa qui a commencé ça. Elle a sorti des produits pour les enfants aussi. Ça ne passe pas comme ça. On ne va pas faire pour faire. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Non, mais elle a vu que les produits, tout le monde prend les produits. Apparemment, chacun trouve son compte. Donc, je me lance là-dedans, c'est normal. C'est l'impression qu'elle a que chacun trouve son compte. Parce que les trois qui viennent pas de dire que moi j'ai un plan C. Hein. Oh, le B, c'est pas ça qui me nourrit. Hein. Non, elle m'a dit, elle trouve, il ne faut pas suivre. Les filles, elles trouvent leur compte. Elles trouvent. Chacune là, elles trouvent leur compte. C'est juste que bon, chacun sait combien il reçoit à la fin, mais chacune gagne quelque chose. S'il y a même quelqu'une là qui ne gagne pas grand chose, elle dit que c'est sûr, c'est une comédie. Elle s'appuie. Il s'est passé autre chose. Parce que je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que l'autre chose, je ne pense pas que c'est au-delà, ce n'est pas au-delà des produits. Ça a trait avec le business. C'est ça. Parce que c'est lui qui s'en parle. Elle parle de Kiki. Je te dis que le premier direct que Patricia avait fait, quand il a commencé l'histoire, là, quand elle a commencé, elle a dit ce que Gluta voulait dire qu'elle ne veut pas dire. Si tu ne parles pas, tu me clashes comme tu disais dernièrement, ou si tu clashes, tac, tu dis un truc de machin, je vais sortir parce que je sais ce que c'est. Je me suis dit, mais est-ce que Patricia ne parlerait pas en douce avec la Gluta ou quelqu'un d'autre parce qu'elle a parlé d'une histoire d'hôtel? Elle a même pris l'exemple que lui, avant, la dernière fois, il y a une fois ici, on a entendu que c'était l'ex-belle-sœur de la Rose qui avait parlé de quelque chose dans une fête. Tu comprends un peu? Dans les toilettes d'une fête. Et c'était pas ça. Mettre de l'exemple. Et maintenant, si c'est possible pour ça faire encore miaque, je vais sortir ce que l'autre ne veut pas dire. Il s'est passé quoi à l'hôtel? Un homme qui est toujours entouré de femmes, qui est toujours machin, truc et tout. Elle s'est retenue. Quoi, parce que je vois pas ce qui est grave. Il a couché au bout. C'est là que ça passe. Je ne te dis pas que c'est ça, mais je te dis qu'il s'est passé quelque chose qui n'a rien à voir avec les produits. Les produits sont venus juste ok, oui. Je veux pas la dire que c'est les gens de tout personnel. Il y a eu des agacements, peut-être des trucs. Les produits ont juste rajouté. Ok. Je sais que, comme a dit Patou tout à l'heure, quand un truc arrive, elle va rentrer dedans, elle va faire son affaire avec, elle va acheter le problème, tu comprends? Le pire des choses qui doivent être passées, c'est qu'ils vont coucher ensemble. Pour moi, je ne vois pas, c'est pas comme si, moi, ça dit qu'il y a quoi de nouveau. Pas tu vois ce que je peux dire, le pire pour moi, c'est non, ça. Moi, je ne sais pas s'ils vont coucher ensemble, mais bon. Non, parce que quand on parle d'hôtel, c'est quoi à l'hôtel qu'on va faire comme si c'est la force? Ce n'est pas la couche. Mais avec d'autres personnes, non? Est-ce que c'est juste ça? Puisque voilà. Ils ont fait quoi à tous part? Attends, vous faites comme moi, je dis que rien ne s'est dit. Sauf non, que. C'est moi qui ai en train de spéculer. Je parle juste pour le mot. Je ne veux pas la dire que le fait qu'elle veut. Elle veut amplifier sur le mot au hôtel. Comme si vous voyez que vous croyez que vous allez surprendre qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Toi, tu le comprends. Oui, mais pour toi. Mais sauf que. Les balles devaient sortir quand même sur beaucoup de choses. Parce que ces blogueurs-là m'ont dit, je touche.
font des choses très sales. Donc, je vais te faire comprendre. Oui. Comprends. Quel don. Le soir, on a dit c'est là que Meyando, je crois que c'était sa guerre entre lui et Marat de la Suisse, là. Oh, les maisons closes. Oh, il est dans la DRO, machin. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mm-hmm. Il gère une maison, même machin. Aujourd'hui, la Suisse a encore dit. Hein. Alors? Donc ça, mais je ne vous avais pas dit ici que votre Nyandom, là, moi, j'avais entendu parler. Je ne vous ai pas dit ça. Mm-hmm. Vous avez dit ça ici, l'arbre à palabre. Je dis que. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit n'est pas faux, là. Parce que moi, j'entendais. Je te dis qu'à l'époque, j'avais influencé en Suisse. C'est ça que je dis que moi, si il y a quelque chose qui s'est passé à l'hôtel, ça sort, moi, je vais rire parce que on est surpris. C'est des gens qui font des choses très sales. Ils ont déjà leur vie qui est un peu comme elle et chacun son passé. C'est ce que tu veux. C'est ça que je dis que. Non, moi, je ne parle même pas de ce que la Suisse dit. Je dis seulement que leur affaire avec l'hôtel, qu'on a sorti le mot hôtel, non. Ça, je dis que. Il y a quoi de nouveau, maman? Ils sont sales. Mais je te dis tous. Mais parce que si tu écoutes même la vidéo, si tu écoutes même la vidéo de qu'on a sorti aujourd'hui, d'il y a longtemps là dont on parlait, là où il parlait de sa femme. Oui. Si tu écoutes bien cette vidéo, tu vas te rendre compte que même cette personne qu'on voit avec le petit sourire n'est pas ce qu'on croit. Si tu écoutes bien, on a même dit que, on a dit que oui, non. Je dis que les gens font souvent comme si. On peut même croire que ton Nyandom, c'est lui qui est ceci, alors que peut-être. Ce n'est pas ça, masse. Voilà, lui, il peut être fini par la bouche, alors que le vrai maestro. Tu as compris. Mais lui, non. J'ai compris très bien ce que tu as dit. Je ne veux pas seulement dire. Aucune femme ne peut laisser tout le temps tu insultes ma chère et tout, si elle-même, ça ne lui dit rien. Si elle-même, ça la dérange. Tu as compris. Dola, qui est Amélie? Je ne connais pas qui est Amélie. Tu vois, donc pour moi, l'hôtel, il y a trois possibilités. Oui, en tout cas, rien ne s'est dit dessus. C'était juste quelqu'un qui... Je passe moins de mots hôtel. Parce que quand on veut parler de l'hôtel, c'est quoi que se passe dans les hôtels? Il y a trois possibilités. Soit donc la touche pas, soit lui et vous êtes en couché ensemble, soit il a couché avant un homme. OK? Donc, moi, pour moi, qu'est-ce que je me suis fait de temps? Rien. Oui, il voulait qu'elle couche avec eux, les trois. Moi, c'est ça que je dis que c'est tout. Je ne vois pas le pire. Parce que s'il fait des choses, souvent, allez, vous voulez commenter à vous arrêter encore pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de pire ou de moins dans tout ça? Merci. C'est ce que je veux te faire comprendre. Ouais. Moi, pour moi, le pire qui peut sortir, ne venez pas nous dire qu'il a qu'il aime quelqu'un. Il a fini avec quelqu'un. On s'en fiche. Ça fait. La rose. Qui je m'en vais me coucher, ma chérie. Ne l'en pas. La rose dort. Non, de là, voulait monter, elle voulait dire quelque chose. La rose. La rose, je descends, monte un peu le temps que la rose descend. Dolé. Est-ce que la rose est même debout? Non, la rose, de là, peut monter. On est trois. La rose. Réveille. Yeah. La rose. Mais de là, la rose est partie chez les ancêtres. Sûrement, elle est calée là-bas. Attends. La rose. Dans deux personnes. À qui il y a combien de personnes en lit, là? Il est 43 personnes. C'est chaud, hein? Ouais, la rose, réveille-toi, non? La rose! C'est moi, je vais descendre. La mais je vais pas laisser. La rose! Moi, mais je vais partir. J'ai une personne de lève montée. La rose! Yeah. La rose est KO. Rose! De là à demain, on a essayé. La rose est calée là-bas chez les ancêtres. La rose. Ça, tu riais. La rose. La rose, pardon, ta soeur veut monter. C'est grave. Vicky, la rose. Je vous dis bonne nuit. Rose. Faut que j'y aille. La rose. Yeah. Ah, l'homme de l'air. Bye bye. Oui, bonne nuit, ma chérie. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Merci.